et bienvenue dans cette deuxième édition de Créative, l'émission qui met en valeur les talents de Lyon au féminin. Aujourd'hui, nous sommes à Gron, chez Mademoiselle Alice, spécialiste des aiguilles. N'oubliez pas notre jeu. À la fin de cette émission, je vous poserai une question pour gagner cette réalisation de Mademoiselle Alice. Soyez bien attentifs. Je vous propose d'aller la rencontrer tout de suite. Bonjour Alice. Bonjour Élodie. Ça va, tout ça va très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est ici et ce que vous faites ? Alors ici, j'ai le plaisir de vous accueillir dans mon atelier couture. Ce que je fais, effectivement, je crée des accessoires, des choses pour les petits, pour les grands. Ça va du sac aux vêtements, aux décorations pour chambres d'enfants. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail. Ok, est-ce que vous pouvez nous parler de votre atelier un petit peu, nous présenter ? Oui, alors l'atelier, là j'ai tout un stock de tissus parce qu'on n'en a jamais assez. Des rubans, des placards remplis d'accessoires de mercerie. Et puis j'ai la caverne d'Ali Baba ici, le fameux placard à tissu dans lequel on va pouvoir faire notre choix pour l'article à créer. D'accord, alors qu'est-ce que c'est que cet article ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Alors je vous propose, comme on n'a pas vraiment le temps de partir sur un patronage, un projet trop élaboré aujourd'hui, je vous propose de partir sur la création d'une trousse de toilette. Ouais. Comme, nous sommes en période de vacances. Ça peut être utile pour partir. Voilà. Idéal pour ranger ses petites affaires, ses petites crèmes pour partir en vacances. Exactement. Voilà. Parfait. Bon, bah, on y va alors. On y va. Alors Alice, par quoi on commence pour faire cette trousse ? Alors pour faire cette trousse, bien entendu, il faut commencer par le choix du tissu. D'accord. Alors on a ici tout un assortiment de couleurs. Pour cette trousse, je vous propose de partir sur une toile de coton. Une toile de lin, pardon, qui est assez colorée. Et pour lui donner un peu plus de peps à cette fameuse trousse, je proposerais d'associer un petit coton de ce genre-là. Flashy. Flashy, pour... assez estival pour les couleurs et complètement dans la tendance du moment. Ok. Est-ce qu'il y a un choix particulier de tissu en fonction de ce qu'on va réaliser ou pas ? Oui, tout à fait. Pour cette trousse, effectivement, je pars sur un lin assez rigide pour que la trousse ait une certaine tenue. Ouais. Si on partait sur la conception d'un foulard, par exemple, on partirait sur un tissu beaucoup plus fluide, tout comme une chemise, un pantalon ou un sac qui serait beaucoup plus rigide pour lui. Voilà. D'accord. Donc le choix du tissu, oui, est complètement important. Bah, on passe à l'étape suivante. Allons-y. On a choisi le tissu, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Alors maintenant, on va passer à l'étape de la découpe du tissu. On trace aux dimensions voulues et on découpe tous les morceaux nécessaires à la décoration de la trousse. Alors maintenant, donc effectivement, on a les quatre faces de notre trousse, les deux faces extérieures, les deux faces intérieures avec les futures poches. Okay. Donc maintenant, on va assembler tout cela à la machine. On va passer maintenant à la pose de la fermeture éclair. Donc on va la positionner avec des aiguilles. Pareil, avec des épingles. Voilà, donc on a un côté de notre trousse qui est assemblée. Alors là, Alice, on a posé la fermeture éclair. Oui. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'assemblage final ? Oui, alors on a posé la fermeture éclair. Tout va se passer sur l'envers. On va mettre, encore une fois, endroit contre endroit les faces extérieures, endroit contre endroit les faces intérieures. On fixe, encore une fois, avec des épingles. Comme je le disais, on a laissé une ouverture et on va procéder au retournement, peut-être, de la trousse. Alors voilà, on va chercher à l'intérieur la face opposée. Voilà, donc on a notre trousse terminée avec les poches intérieures. Voilà, Élodie. Ben parfait, merci Alice. Donc une belle trousse pour partir en vacances. On est prête ? On est prête, on y va. Je vous propose qu'on aille discuter un petit peu de vous pour Bien en sûr. Savoir un peu plus. Ok.
On se retrouve tout de suite. Allons-y. Nous venons de sortir de votre atelier. Vous nous avez expliqué un petit peu ce que vous faites en couture. Il me semble que vous avez d'autres domaine d'activité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors effectivement, le domaine d'activité couture se découle, on va dire, entre mes activités de création personnelle et puis j'ai aussi les ateliers créatifs pour les enfants et pour les adultes débutantes. Donc vous formez petits et grands? Tout à fait. Et vous avez aussi une autre activité plus sur la décoration. Alors qu'est-ce que c'est? Alors la décoration, il y a deux grands axes dans la décoration. Il y a le premier axe qui en fait est la décoration d'événements. Je peux me charger de l'organisation complète d'un événement ou bien seulement de la décoration. Et le deuxième côté déco, c'est la décoration d'objets ou de meubles anciens. J'adore chiner, j'adore aller récupérer des vieux meubles, des vieilles choses et les remettre au goût du jour. Donc vous avez pas mal de cordes à votre arc. Mm-hmm. Comment vous en êtes arrivée là ? Alors, c'est un parcours un peu atypique. J'ai passé 15 ans dans l'industrie. Où j'étais en charge du marketing et principalement de l'organisation d'événements, justement. À côté de ça, je faisais beaucoup de couture à titre personnel, c'était vraiment une passion. Et j'étais fan de déco également. Donc j'ai pris un nouveau tournant dans ma vie professionnelle et je me suis lancée. Je me suis dit qu'après tout, je pouvais peut-être allier passion et métier. D'accord. Est-ce que ça a été difficile de faire ce saut du salarié, entre guillemets, à l'artisanat, finalement, et l'indépendant? Oui, ça a été, ça a pas été très évident au début. Le fait de se lancer, c'est toujours se lancer vers l'inconnu. J'ai été bien accompagnée par la Chambre des métiers. Et puis j'ai intégré un réseau de femmes chefs d'entreprise, notamment le réseau Créé comme elle, qui est à Sens, et qui aide et qui soutient les projets nouveaux des femmes chefs d'entreprise et créatrices d'entreprise. Donc le fait d'être bien entourée, c'est vraiment important pour se lancer. Tout à fait, ouais. C'est vraiment ce qui vous a aidé en fait. Tout à fait. Parfait. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver alors bientôt? À partir du mois de septembre, vous pourrez me retrouver dans les ateliers créatifs pour les petits et pour les grands. Et ensuite, je vais intégrer les marchés artisanaux et les salons du mariage de la région. Bah, très bien. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre atelier. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Si vous avez apprécié le travail d'Alice et que vous voulez en savoir un peu plus, vous trouverez toutes ses coordonnées et actualités juste ici. C'est la fin de notre deuxième émission. Merci à tous de nous avoir suivis sur comcomtv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Nous nous retrouvons en septembre au Clérimoy chez Françoise, modiste, créatrice de chapeaux. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et surtout, soyez créatifs. Vous avez bien regardé cette vidéo? Alors répondez à la question suivante. Quel type de tissu utilise Alice pour réaliser la trousse? Donnez la réponse en commentant cette vidéo. Le 50e commentaire ou mail remportera la trousse faite par Mademoiselle Alice. Notre dernier jeu a été remporté par Marie qui gagne la bague offerte par Corinne Création.